que le maire se permet de faire de ces forfaitures et que ça persiste, personne ne dit rien. Je me demande dans quel état nous sommes. Le bruit est là et c'est une vérité. Nous sommes des témoins oculaires et plusieurs acteurs sont témoins de cette situation-là. Vous savez, la situation provient du fait qu'il y avait ce qu'on appelait des audiences foraines que vous connaissez très bien et que tout le monde connaît. Alors, les commissions du tribunal départemental de Bingona étaient venues pour les besoins des audiences foraines. Les audiences foraines ont été faites et en retour, il y avait des jugements qui ont été renvoyés au niveau de la mairie pour les remettre à qui de droit, les bénéficiaires. Mais le maire s'est permis de dire que pour chaque jugement, il faut donner 5000 francs et pour les élèves, il faut donner 3500. Mais je me demande dans quelle administration nous sommes. Et ça, tout le monde en est informé. Je sais que aussi les autorités sont au courant de cela. Et s'ils ne sont pas au courant de cela, ils n'ont qu'à descendre à Olampane pour vérifier ce que nous sommes en train de leur parler. Et les gens sont là, les mains liées. Ils n'arrivent pas à récupérer leur jugement. Mais quand même, je crois que l'esprit d'administrateur nous permet à ces gens-là aujourd'hui de comprendre qu'ils ne sont pas là pour cette boc, mais ils sont là tout simplement pour les populations. Mary Donald.